Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en Nouvelle-Calédonie, ça fait 2 mois et demi que je suis arrivé. L'objectif c'est de vous montrer à travers cette saison 5 un maximum sur la Calédonie. J'ai donc loué une voiture il y a environ un mois. Le premier mois j'étais chez un ami à Pueblo. Alors je suis actuellement dans la ville de Vaud. Alors c'est un bled, quand je suis arrivé je pensais pas que c'était la ville de Vaud, car en fait il y a quasiment rien du tout. Mais il y a un truc qui est très connu, c'est le fameux cœur de Vaud. C'est un des trucs à ne pas rater, le mieux c'est de le faire en ULM. Malgré, j'ai déjà réussi à négocier un autre ULM à Bouraille, donc du coup ça se passera à Poé pour l'ULM. Alors on va parler utile, il y a sûrement des personnes qui se posent la question par rapport au coût de la vie en Calédonie. Alors pour être très transparent, le coût de la vie n'est pas plus cher qu'en Australie ou Nouvelle-Zélande. Si vous avez déjà voyagé dans ces pays là, vous n'aurez pas de surprise. Pour les métropolitains qui vont venir ici pendant plusieurs semaines, oui, le coût de la vie est un peu plus cher qu'en France. Après, il n'y a rien de choquant, l'essence est à mon avis moins cher qu'en France. C'est surtout la partie logement qui va vous coûter cher. Il faut compter au moins 150 euros pour une nuit d'hôtel. Après, vous pouvez dormir en tente, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Pour une location de voiture, il faut compter à peu près 30 euros par jour. Alors, il y a une agence qui revient souvent, je ne suis pas du tout sponsorisé, ça s'appelle Point Rouge. Alors, je ne l'ai pas testé, donc voilà, je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Mais apparemment, ce sera la moins chère localement. Si vous êtes en voiture, faites bien attention aux stations essence. Elles ferment assez tôt, elles ne sont pas ouvertes toute la nuit, sauf quelques stations essence. Du coup, faites toujours bien attention au niveau... Faites bien attention au niveau de vos réserves d'essence. Au niveau de la nourriture, franchement, concrètement, il n'y a pas... Franchement, vous pouvez faire attention. Vous connaissez tous la chaîne en France, Franprix ou Leader Price. Et ben ici, elle est implantée partout sur la côte ouest. Sur la côte est, il n'y a que des supérettes. Mais vous pouvez manger pour pas trop cher. Moi, quand je fais un plein, j'en ai environ pour 100 euros pour à peu près 10 jours. Voilà. Donc ça me coûte à peu près 250 euros par mois de nourriture. Le vrai avantage de la Calédonie, c'est qu'il y a du soleil toute l'année. Donc en fait, vous ne posez pas de questions, est-ce que je vais venir à un mois, il va faire froid. Je suis arrivé en plein hiver au début août et en fait, finalement, j'étais en train de cramer. Enfin voilà, il faisait genre 25, là il fait plutôt 30-35 en ce moment, mi-octobre. Mais il fait beau toute l'année. Le mieux, comme je vous l'avais dit en début de saison 5, le mieux pour vous, c'est fin de saison humide, saison sèche. Du coup, l'idéal, la saison sèche, entre avril et octobre. Bah, je voulais remercier les 4200 abonnés qui sont sur ma chaîne et qui suivent mes aventures. Vraiment, ça fait super plaisir. Il y a un truc que je supporte plus, c'était d'avoir un gros sac de transport pour le matériel. Du coup, maintenant, quand je fais de la rando, je voyage très léger. Donc là, j'ai mon G7X de chez Canon. Je vous le mettrai directement en photo pour vous montrer un petit peu l'appareil. C'est un appareil qui est relativement utilisé par les blogueurs, par les vlogueurs. Et là, mon drone, le DJI Mavic Pro. Franchement, c'est un produit que je recommande fortement si vous aimez le drone. Et là, tu te poses la question, mais c'est quoi ce petit bip, 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 bip? Alors, c'est pas du tout une bombe, ne vous inquiétez pas. C'est que le drone est en train de revenir tout seul. Et oui, comme un grand.